On est en van. Bye Boubou. Ciao Boubou. Je t'aime. Moi aussi. On s'appelle. Ouais. Bye. Bye. Je t'aime. L'aventure commence. L'aventure commence. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Cause every time you tell me I'm... Man! On est en van life! Ok. Ben, c'est la fin de la première journée de route vers les îles de la Madeleine. Ça s'est bien passé. J'ai roulé à peu près 1h45. Je pense que ça a été une journée assez riche en émotions. De dire bye à Thomas, puis tout, ça a été quand même plus long que je pensais, mettons. Moi qui pensais partir à genre 9h30 hier. Si jamais t'écoutes ça, Boubou, je t'aime. Ben, c'est une soirée magnifique. Le soleil se couche. Vous voyez rien. Autant ça a été difficile de dire bye à Thomas, puis autant j'aimerais vraiment ça qu'il soit là. Autant je suis vraiment contente de vivre ça seule avec Mimi. C'est quelque chose que je voulais vraiment vivre. J'aurais rêvé quand j'étais jeune d'être seule avec ma van, mon chien, puis d'être à l'aventure. Puis je suis contente d'avoir ce mois-là pour faire ça. Puis je suis contente de retrouver Thomas dans un mois aussi, c'est pas... ce serait un mensonge de dire le contraire. Alright! Fait qu'on vient de s'arrêter sur le bord de l'eau, comme ça. Je me suis parquée à côté de l'église, là. On va venir manger notre petit snack, juste comme ça ici, avec Mimi. Puis on a une super belle vue sur l'église, une super belle vue sur la rivière. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais demander de plus. Avant de reprendre la route, on va aller visiter l'église où on s'est parquée, juste parce qu'elle est ouverte. La route, je pense bien. Alors, on vient d'arriver au Nouveau-Brunswick. On est à Grand Falls, Grand Salt. Puis on s'en va voir le parc des Gorges. J'amène Mimi et mon stock pour peindre. J'espère avoir une belle petite vue pour peindre. J'amène aussi tous mes trépieds puis tout. Je sais pas à quel point il va y avoir de la place. J'espère qu'on est bientôt rendu. Ouais, ben, sérieux, c'est lourd là. Oh non! Avoir vu tous ces paysages-là en arrivant, ça m'a vraiment donné le goût de peindre. Ça m'a inspiré, puis ça me donne beaucoup d'excitation pour les temps qui viennent. Je suis sale.
Et je pue. Je vais aller me laver dans la rivière. Well, 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 looks like on a une autre péripétie de voyage. Dans le fond, en voulant monter la côte, comme vous avez vu, j'étais vraiment proche, mais là, ça glissait, fait que je me suis dit que j'allais me reculer au bout pour prendre de l'élan puis monter. Et en reculant, ben, je suis tombée dans ce trou de terre. Donc, comme d'habitude, on voit le positif, ça aurait pu être fucking pire parce qu'il y a de l'eau juste là. J'aurais pu tomber dans l'eau et là, ça aurait été une vraie tragédie. Donc, écoute, la route m'apprend beaucoup. C'est cave parce que j'étais rendue. Il aurait juste fallu que je m'arrête, mais que je demande de l'aide à quelqu'un, mais j'ai fait mon esti tête de cochon, puis... Et voilà. C'est un gros nid, ça. God, we're back on the road. Ouf, 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 l'expérience la plus extrême de ma vie. Bon, ben en tout cas, c'est fait. Bon matin! Donc, on est au Walmart de Moncton. J'ai pu filmer hier parce que, sérieux, ça m'a quand même fatigué, là, l'épisode de quasiment tomber dans le ravin. Je vous avouerai que j'ai vraiment hâte d'arriver aux îles de la Madeleine. J'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas d'autres péripéties, puis qu'on va se rendre safe and sound aux îles de la Madeleine. Bon ben, j'ai assez chillé ici. On s'en va à l'île du Prince-Édouard. On s'est rendu, on a traversé le pont de 30 km qui relie le continent à l'île du Prince-Édouard. Puis on est à ce monument-là et au centre d'information de cela. Wow! Les roches de l'île du Prince-Édouard et les roches du Nouveau-Brunswick unies par le Canada. Oh my god, guys! Je viens d'arriver au Walmart de l'île du Prince-Édouard. Quelle journée! Je suis épuisée. Je suis fatiguée! Ça me tentait même pas de conduire aujourd'hui. J'ai bravé. Je vais y rentrer dans une fille en reculant. J'ai un pneu que j'arrive pas à gonfler comme du monde. Fait que, ouais, je vais manger un petit gnocchi. Puis on se voit demain, je pense. Demain!
controversier. Le bateau arrive à 1h du matin. Il va falloir que j'embarque à 2h. Alright, fait qu'il est 1h du matin. J'ai réussi à dormir malgré le fait qu'il y avait un party dans le stationnement. C'était vraiment la fête. Mon Dieu, un gars qui court. Je sais pas si je devrais allumer l'auto, je comprends pas de ce qui se passe. En tout cas, je suis prête. J'ai mon ticket, mes clés. On s'en va aussi. Bonjour! Lumière, ça va pas allumer, vous? Oh my god, hey! Fatigué un peu! Merci, bye bye!